Salut à tous les amis, c'est Captain Geek, on est au 9e épisode de RimWorld. Alors, au précédent épisode, il fallait que je m'occupe en priorité de plein de choses. Déjà, on va faire le ménage là-dedans, on va immédiatement tuer des animaux parce qu'on s'est pas trop occupé de la bouffe. Normalement, ça tourne tout seul, mais là, ça n'a pas bien tourné tout seul. Donc, et d'urgence, on va laisser les rations de survie disponibles. Et en avant, quoi. En avant la chasse. Bon, il y a les cadavres, là, il y a plein de choses à faire. Ça n'a pas beaucoup avancé, je suis désolé. On a surtout creusé un peu là et cette salle. Alors, vengeance de Mufalo, ça c'est toujours ma crainte. Voyons comment il se débrouille. Ok. Bon, on en a tué un, ils décident de bouffer. Alors, des fois, ils ont de la nourriture sur eux, ils prennent un plat sur eux. Il est pas content parce qu'il a dû manger debout, hein. C'est ça qui l'a dérangé. Bon, super, on rattrape tout en termes de bouffe. Alors vivement que le petit enfant soit avec nous, parce que comme ça, il va faire le ménage. Alors, on est en descente 44. Un cochon se cache dans sa chambre. Pourquoi? Parce que vêtements de écuyère. Eh oui, oui, il faut que je m'occupe de ces fringues-là. Est disponible, garder l'ex. Ça peut être pas mal pour monter. 21 jours. Il a la gangrène. Super. Bon, on va essayer. Quelqu'un prend l'ex ou prend pas l'ex? Hop, allez, capture-le, s'il te plaît. Juste une place. Et on va nettoyer dedans dès que tu l'as posé. Et tu vas le soigner. Non, personne ne le soigne là? Ah. Faire attention à ça par contre. Hein. Faut vraiment qu'on soit bien. Que ça monte pas trop. S'il faut, faudra lui donner des bons médicaments de temps en temps. Faudra qu'on jongle avec ça parce que c'est un peu à nous les médicaments. Bon, la pièce est passée à. J'ai dit 94. On pourrait faire la cérémonie. Ok. Bon, ils en ont tué un. Et l'autre. À surveiller quand même, faut faire gaffe quoi. Et comment? 11 en tir. Oula. Courage Fillon. Oulala. C'était juste quand même. Hein. Avec les blessures en général, ouais, ils ont un peu des mouvements 79. Hein. Ouais, il faut que j'arrive à le tracer. On va se mettre là, je pense qu'une ou deux balles, ça va aller. Hein. Chambre indigne. Tout le sol n'est pas recouvert. Bah oui, oui, bon. Faut le faire, c'est tout. Allez. Oh, mais il encaisse à mort, ce machin, là. Il se prend, il s'est pris combien de balles? Il va mourir. S'il meurt pas comme ça, il meurt d'hémorragie, en tout cas. Allez. Voilà. Prioriser chasse. Oh, j'arrive pas. J'arrive plus à parler. On a plein de cadavres là. On a commencé à en emmener. Bon, même pas. Oui, lui, il y en avait un. Ouais, bon, de temps en temps. Le chien, peut-être. Faut nettoyer. Hein. C'est bien de faire de la bouffe, mais si c'est tout dégueulasse, vous tombez malade, quoi. Allez, s'y mettre à deux. Génial. Rain qui nous fait quoi? Ouais, qui nous fait notre masse. Oh non, même pas, il n'y a pas besoin. Arrête. Voilà, elle fait les vêtements. Parce qu'on en a une excellente de masse, là. C'est qui avait encore sa petite massue? Voilà. Hey, excellent, en plus. Donc ça, il va bien taper. Ça, c'est nickel. Les armes. Bon, ben, c'est pas mal d'armes qu'on va vendre. Ils ont tous des casques. Ok, moi, ça me va. Et là, il a fini ici. On a une chambre descente à 40. C'est tout. Nettoie ça et il y a un truc à nettoyer là-bas ou quoi? Légèrement impressionnante, c'est mieux. Chef-d'œuvre. Ah, il a fait un pantalon chef-d'œuvre. Donc celui qui le portera va être super content. On va nettoyer cette pièce.
On va aussi nettoyer cette pièce. On va renettoyer ici et on va faire la quête. Alors, c'est où? Cérémonie, on accepte. Pourquoi capsule de cargo? Ah oui, c'est capsule de cargo classique. Je pensais qu'il y avait une mission. Ouais. Bah, du lait. Bon, c'est pas très grave si on va pas le chercher. Hein. Alors, cochon, cochon, cochon. On commence la cérémonie. 64% de chance. On y va. Il est un peu tard. Hein. J'espère qu'ils vont pas avoir trop sommeil. Oh, ça vomit et tout là-dedans. Fallait que je regarde Lex avec sa maladie. 13% à surveiller. Hein. Ça monte, hein. Décevante. Oh, ils sont pas sympas avec moi. Je vais lui mettre des médicaments classiques. Voilà. Alors, choix de licence disponible. On avait les travailleurs, on va prendre une unité de soldat. On en a encore un? Encore un point? Ah, ok. Livraison d'aliments, oui, ça peut être sympa si vous êtes dans une zone où l'hiver vous crevez de faim, ou une zone, une plaine où il n'y a pas de montagne, vous manquez d'acier. L'argent, ils envoient combien? 500. Ça peut être bien de temps en temps, 500. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est avoir plus de soldats. Donc des janissaires qui sont un peu plus costauds que les soldats. Au moins, on appelle des gens qui viennent pas mal nous aider. Salle du troll indigne, évidemment, tout le monde a marché dedans et tout le monde a tout dégueulassé. Et on a Trève qui vient d'arriver. On va commercer avec lui. Et en sortant, on va nettoyer la salle du trône. Bon. Tu proposes un fusil à pompe un peu classique, mais non. On a des pistolets mitrailleurs et tout. On aurait pu la vendre, lui vendre la grande sculpture hein, pour 100, mais il a que 53 à nous donner. Donc lui, c'est pas quelqu'un... On peut lui acheter des médicaments. On peut lui acheter des composants. Pour même pas, on en a plein. Ouais, on peut lui acheter ça comme ça, quoi. Donc éventuellement, on peut lui vendre ça. Allez, vendu. Mince, je voulais que... Bah, c'est parfait, allez, reva. Super, c'est repassé, pas indigne. Et on va nettoyer tout le dégueulis, on va nourrir Lex. Faut que quelqu'un soigne Lex. Vraiment, hein? Qu'est-ce qu'ils font mes soigneurs quoi? Hamster. Hein. Qu'est-ce que t'as? Il va là? Ouais d'accord. Qualité 88%. Bon et le petit il en est où? Ouh, on n'est pas loin de le recruter là. En deux fois c'est fait je pense. Bon, et les champis, on a Reine qui fabrique pas mal de trucs depuis tout à l'heure, hein, mais il faut qu'elle équipe tout le monde. Donc elle est encore sur les pantalons, elle a toujours pas fait les chemises. Et on a Hamster qui s'occupe de ça alors que j'aimerais bien les champignons, mais bon. Super, résistance 0, ils vont attaquer le recrutement, on va avoir un petit enfant bientôt. On lui a pas fait une salle de classe et tout. Je sais pas où est-ce que je pourrais le faire. Il y a de la place là. On peut s'amuser à faire une classe, une salle de classe ici. Hein. Mais il y a pas mal de sol et tout à faire. On peut la faire peut-être là. C'est vraiment en attendant. Hein. Comme je vous dis, hein. C'est vraiment en attendant. Sol, plancher en bois. On va dépenser du bois pour ça. Hein. Et mobilier. Quand on a plus de bois, ça me propose... Ah, il n'y a plus de bois. Mince. On va les faire bosser le bois à fond, là, les deux. Super, il y a plein de bois devant la base. Là aussi, c'est juste devant. Il y avait tout ça à faire. Allez, à fond le bois. Mince, j'y arrive plus. Hop. Coffret à jouer, décoration pour bébé. Donc ça c'est pas pour les c'est pour les bébés, voilà c'est ça. On a le bureau pour la salle de classe. Alors plutôt en bois hein. On va le mettre là. Le tableau noir en bois. Et je pense que ça suffit.
On peut mettre un petit bras zéro pour bien éclairer. On peut le mettre ici. Et puis c'est tout, hein. C'est vrai que pas besoin d'avoir quelque chose de très grand, sauf si vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Allez, c'est pas mal. Et on va essayer de ramasser tout ce qui est là, tout ce qui est dedans. Parce que c'est pas beau de les laisser dedans. Allez, on va voir comment ça se passe tout ça. Il y a Trosma qui creuse depuis... Oh, il y a du... oh, alors, en tout cas, le métal, on en a. Hein. On va avoir beaucoup de métal. Hein. Faut que je fasse plus de... Nouvelle recrue, super. Allez, je mets vitesse normale. Il est là, le petit... Le truc, c'est qu'on n'a pas de place pour lui, je crois. N'appartient à personne, on n'a qu'une place. Faudra surveiller ça aussi. Il ne se retrouve pas à dormir par terre. Alors, nourrice, non. On va enlever tout ce qui n'est pas bon. Et on va lui faire faire du ménage. Et après, il y aura une salle de classe où il ira de temps en temps. Alors, super, on a ça. Pour mettre un deuxième dans la salle. Capsule de sauvetage, j'avais pas vu. J'ai pas fait attention. Douillet, grand mâcheur déterminé. Oh, il avait une infection et tout, je pense que ça aurait été chaud. C'est dommage, je l'ai pas vu. Mais je l'ai pas du tout vu. Bon, après, il avait rien d'extraordinaire, mais il aurait pu faire le ménage. Douillet, c'était pas top, hein, mais ça aurait été un bon tireur. C'est dommage, je l'ai pas vu. Bon, voilà, faut être attentif. Le problème, c'est que ça passe sur le côté et vous avez tout votre écran à regarder, vous avez tout à faire. Voilà, ça met pas le jeu en pause, quoi. Faudrait que ça mette le jeu en pause. Bon, je pense que ça l'aurait fait depuis longtemps, depuis le temps que le jeu existe. Mais faut avoir l'œil de temps en temps dessus. Tigre, qu'est-ce qu'il fait pour pas être content? Malade, dortoir terne. Se cache dans sa chambre. Ah, très chaud. Ah oui, mais il fait super chaud. Là, c'est le petit rat, il fait le ménage comme un fou. Léhi, il est là. Il va récupérer du lait, t'as bien raison. Cochon, on va le faire nettoyer un peu ici. Un peu ici. Et on va réapprévisionner un peu tout ça là. Il est loin le bois là. Ça aussi. À fond. Dans la chambre. Allez, quand tu veux. Et on va faire ça dans la pièce des prisonniers qui ne deviennent pas à moitié fous quoi. Alors, ah, ça peut être pas mal. 4 néandertaliens. Ah, ça peut être chaud quand même. Et une menace inconnue. Oh. Faut voir sur la planque si c'est en plein milieu des montagnes et qu'on met 3 jours pour y aller. Non. Bah voilà, c'est super loin. Alors, on va regarder juste. On n'a pas de vampire, hein, c'est un sérum pour vampire. On forme la caravane. On va là. Voilà, 5 jours aller-retour. Et il faut envoyer du monde parce qu'il y a 4 néandertaliens. C'est-à-dire qu'ils sont forts au corps à corps et super... Et super, super résistant, quoi. Donc, eux, non. Si j'avais eu un vampire, oui, j'aurais envoyé le vampire avec 2 bonhommes et on aurait tout défoncé. Mais là, eux, non. sculpture normale. On va en mettre une autre ici. Chacal. Ouais, chacal est en mode pétage de boulon, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le petit nettoie. Ça va être bien qu'il nettoie tout le temps partout. Hein. Vraiment, hein. Assez impressionnante, ça revient assez impressionnante. Avec la statue plus le nettoyage, ils vont être contents. Faut qu'ils soient vraiment contents de tout le temps dormir. Ça va tout changer, quoi. Par contre, ramasse les médicaments un petit peu, là. Viens ici, toi. Hop. Oh, il joue de la musique. Bon, le chien, voilà. Comme par hasard, quand je dis que le chien, il va. Un bon chien, ça. Bon, les animaux. Ah, on a l'ambrosie, là. L'ambroisie, plutôt, pardon. Drone faible. Oh. Les hommes vont avoir une baisse de morale, ça va être compliqué. Le petit enfant aussi a des habits, je ne sais pas si je dois lui fabriquer quelque chose. Pour l'instant non, mais je peux anticiper, en rajouter un. T-shirt d'enfant. Parka d'enfant, parce qu'on ne va pas leur faire des armures, quand il est pour l'hiver au moins. Et pantalon d'enfant.
Il a un chapeau, par contre, je sais pas d'où il sort son chapeau, il n'y a pas de chapeau d'enfant. Ouais, non, je sais pas. Allez, j'en fais un de chaque. Ah, il est passé comme niveau 16, Rain. Hein. Médiocre, à démolir. Tigre, il est où? En train de dormir. Ils en sont où de leur maladie, là? Ah, il y a toujours cette maladie, et pourtant, on les a bien soignés. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Lex, il est comment qu'il meurt pas, lui? Ah, la gangrène a baissé, ok. Air tristement, Léi, c'est normal, c'est le drone faible. Statue archique souhaitée. T'en veux une? Je t'en fais une, moi. Moi, je suis un mec sympa, moi. Archique, on l'a mis en premier. Détail, on va la faire... on peut la faire en acier. Au moins, ce sera dur à détruire si jamais il y a un problème. Allez, la statue en acier. Ok. Voilà, il va faire ça en... Voilà, il a mis de côté, mais il va faire ça en suivant. Après, il va la reprendre. Regardez, il y a le petit gamin qui regarde, là. Hop, il a pris artisanat 1. Il regarde l'autre faire. Donc, les enfants, voilà, il a arrêté le ménage. Soit il va jouer, il va faire des dessins. Je sais pas si on voit ses dessins quelque part. Parce qu'ils font des dessins partout, hein. Ça, le gosse. Bon, il a pas fait de dessin encore. Hein. Mais ils font des dessins sur le sol. Alors, après, ça se nettoie, hein. Et il va regarder, il va prendre des points. Et à un moment donné, quand il va passer à l'âge, je crois qu'il y a, je sais pas si à l'adolescence là, c'est quoi, c'est bébé, enfant, je crois, peut-être qu'il y a ado et ensuite adulte. Et on va pouvoir choisir des points et surtout des traits, des nouveaux traits positifs, négatifs. Il y a un truc comme ça, c'est super bien fait, super sympa. Évidemment, plus tard dans le jeu, vous pouvez partir sur des machines où vous allez choisir des génomes quand vous faites des enfants, élever des enfants dans des cuves, voilà, avec les traits que vous voulez. Je veux un robuste, super fort au corps à corps, qui mange pas beaucoup, voilà. Et après, vous l'éduquez à fond dans le corps à corps ou dans l'artisanat. Enfin, il y a des trucs à faire, hein, vraiment sympa. Hein. Ouais, le drone moins 12 quand même, hein. Grosse faim encore. J'ai un problème de champignons. On va tuer les ânes. Les cerfs. Moi, je tue tout, moi. Voilà. Et on va les remettre en fermier, là, nos amis, là. Tant pis, Rain va arrêter de faire ce qu'elle fait, mais... Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Allez. Super. Allez, on va faire des trucs à manger. C'est un qui nettoie ici. J'aimerais qu'il nettoie plutôt là. Ils se sont tous jetés sur la viande. À l'étonne, j'ai dit à 7 tonnes. D'accord. Tout va bien. Bon, ok, ça vit la petite vie, ça avance pas trop là. Hein. En même temps, Trosma a un moral un peu de merde. Dortoir impressionnant, moins 1. Ah oui, 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 je partage. Après oui, on peut leur donner des chambres, mais vous allez faire quelque chose de, voilà, de tellement, où ils vont tellement être heureux d'être dedans qu'ils pèteront rarement des boulons. Donc, et des chambres dans les montagnes, ça fait quand même un sacré truc, quoi. Hein. Salle du trône, indigne. L'électricité, ça serait bien que ça avance. Il est où le petit enfant? Tiens, va nettoyer là. Hop là. On a assez de bois pour terminer la salle de classe, par contre. On a un peu de bois là. C'est pas génial. Et là, tout ça à ramasser. Ah, c'est en train de partir en cacahuète. Le petit, je vais le mettre en mode transport. Allez.
Lui en santé, il est retombé à 0,1. Alors si je le surveille bien, enfin, je le remets en plante médicinale, si je le surveille bien. Et là pareil, là, je vais. Il m'en reste quoi? Une. Je vais l'enlever. Alors on pourrait leur mettre une table hein, à un moment donné. Ah, regardez, il fait des dessins. Il dessine là. Il dessine, il est content, il regarde son dessin en plus. Le maître, voilà, apprentissage, il est... Voilà. Courir dans la nature, explorer la nature locale, nécessite un accès à l'extérieur et dessiner des motifs sur le sol à l'aide de craie. Un nettoyeur finira par supprimer les dessins. Hop. J'ai fait faire un peu de ménage. Là aussi, nettoyer là. La statue, on en est où cette statue là depuis tout à l'heure hein? Elle est où? Elle est là. Voilà, vous êtes content hein? Et c'est toujours horrible. Salle du trône. Et t'es pas content, tu fais les ménages toi-même, je sais pas moi. Ah oui, il faut alimenter ça. Ils sont en train de démonter ça, nickel. Je comprends pas pourquoi il fait ça alors qu'il y a ça. Ah, c'est fini, d'accord, j'ai rien dit. Donc je sais plus comment ça marche par contre. Je crois qu'automatiquement quelqu'un l'emmène étudier. Je crois que c'est un peu automatique, c'est des séances là. Il y a un personnage qui l'emmène bosser et puis voilà. Un personnage qui a nourrice peut-être, ou geôlier, je sais pas, enfin quelqu'un qui a du social, j'avoue je sais pas trop, je m'en rappelle plus, je l'ai fait mais il y a longtemps. Ah, bon, le petit roupille, c'est normal, et faudrait ramasser tout ça, au pire on l'envoie, parce que cochon là en termes de grade, elle est prêtrice. Prêtrice. Ah d'accord, elle a dépassé chevalier. Elle est passée des cuillères à prêtrice en fait. D'accord, bon on va se calmer parce qu'à partir de baronne ça va être embêtant tout ça. Donc là au petit matin on va aller acheter des trucs dans une ville de l'Empire. Parce qu'elle va être embêtante. Là ça va encore, la chambre lui va, le trône lui va. Mais ouais. Saleté animale. Là les animaux ils sont comment? Ouais ça va. Il y a un veau. Ah, parce qu'il y avait un... Il y avait un taureau. Il est où le taureau? Vache. Taureau. Bon, ça va faire des bestioles. Par contre, mobilier. Zone de couchage pour animaux. Je vais quand même peut-être en rajouter pour les vaches et tout. Là, je fais du riz. Dedans, je peux mettre le riz. Hein. Ils vont pas bouffer du riz. Je vais mettre tous les végétaux. En plus. Peut-être que je fasse une petite zone avec plus de riz. Pour les animaux. Encore faut-il qu'ils bossent dessus, quoi. Faut qu'on s'occupe, toi, voilà, t'as fumé ton pétard, nettoie ici. Faut qu'on continue à s'occuper de la faune. Parce qu'on a un problème de bouffe là. On va tuer tous les ratons laveurs, tiens. Faut qu'ils s'occupent des champis. Ils sont deux. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, oui, le temps avance tellement. Propice à la chirurgie. Ça, voilà, j'en parlais. Il a une petite étoile. En chirurgie, il a 5, mais ça veut dire que... les chances de succès de la prochaine opération chirurgicale réalisée seront doublées. C'est quand même une petite chance d'échec. Donc là, c'est le moment de se dire, voilà, on va faire quelque chose. Donc, tu vas nettoyer ça. Et on va choisir un personnage pour installer la glande d'armure. Donc un personnage qui va faire du corps à corps en général. Qui est bon en mêlée.
Par contre, je crois que ça va flinguer un peu la beauté ou un truc. Déjà qu'ils arrivent même pas à se mettre en couple là. Ouais, c'est un peu inesthétique. Mais ça va tanker sec. Regardez les bonus. C'est énorme les bonus. Vous rajoutez ça à une armure, hein. Donc ça fait des tankosaures, quoi. Toi, ben c'est toi, tigre, que je vais... t'as un œil en moins en plus. santé. Alors, opération, ajouter une tâche. On va mettre... pourquoi il n'y est pas? La glande d'armure, elle est là. Je cherchais le symbole de... Super, on va lui mettre le meilleur médicament. Bon, t'as raison, mets du bois là si tu veux. Le petit fait pareil. Se reposer. Et hamster, c'est toi qui vas opérer. Faites attention, un autre peut y aller. Hein. Allez, à fond la caisse, quoi. Partout. On va croiser les doigts. Hein. Qu'il a que 4. Hein. Il est pas très bon. Hein. Ça peut être gênant. Petit sloop. Allez, on accélère. Alors ça, c'est le moment où vous faites une sauvegarde. Hein. Moi, je vais pas la faire. Allez. Réussi. Oh, merci. Voilà. Donc, on a notre futur tank. Donc, il va être tout vaseux, tout nullos pendant un moment. Allez, on enlève les deux médicaments qu'on a. C'est vraiment en cas de maladie ou d'urgence. Et au petit matin, on va s'occuper de la... Oh, il faudrait s'en occuper maintenant. Il y a tout qui va pourrir d'ici là. C'est embêtant, ça. Léi, fais à bouffer. Non, tu vas transporter le petit enfant. Ouais, il est en train de... Super, on a ça en recherche. Là, je suis content qu'on ait ça. Ça veut dire qu'on va se faire le clavecin, parce qu'elle va demander, le noble va demander ça. Et on transporte un peu tout, on essaie d'en sauver un peu. Allez, on va voir ce que ça donne. Le reste après, ça va... Ah non, ça va pas attendre. Hein. Bon, c'est pas grave. On va juste en transporter. Allez, c'est l'heure de dormir. Je suis désolé pour eux. Je suis pas un mec sympa. Bon, il fait 20 dehors. Hein. Je pense qu'on peut arrêter de les refroidisseurs passifs, là. Allez, ça va aller pour le reste. On va aller vendre un peu tout ça. Non, alors, moi, quand je joue... Enfin, normalement, je fais le triple. Hein. Je fais une zone énorme. Mais il faut des agriculteurs performants avec un bon niveau. Voir la main verte. Là, c'est un truc bionique. Hein. J'en ai parlé à l'épisode précédent. Par contre, c'est un peu tout sale là-dedans, là. Non, quelqu'un qui nettoie. Donc, tu manges et tu nettoies. C'est bien. Allez, parfait. On va se prévoir tout ça. Alors, former une caravane. Elle est là, hein. C'est un jour 23 quand même. Hein. Au retour, on verra si on achète des trucs là. On va envoyer cochon. On peut y mettre Tigre n'a pas trop de construction à faire. Tross, Manon et Mine. Chacal en train d'apprendre. Hamster et Rain. Hein. On peut envoyer Léi. Allez, les animaux. On va pas mettre les vaches. Hein. Hop là. Article. Alors. On a beaucoup de tissu, donc on peut se dégager tout le cuir. Tous les cadavres, non, quand même. Les armes, je sais qu'ils prennent pas trop les armes, mais on peut s'arrêter à l'autre ville pour vendre de bricoles, quoi. De collectionner tous les revolvers et tout, on a un pistolet mitrailleur.
Ça, on peut s'en débarrasser. Et arrêter la production des masques aussi, ça serait pas mal. On peut commencer à vendre les guenilles aussi, hein. Ça, on les avait pris exprès pour les vendre, on les avait fait, hein. Et prendre tout l'argent. Ensuite, hop, on enlève ça. Alors, automatiquement, ils prennent les sacs de couchage. Donc, c'est exactement ce que je voulais. On va en laisser 73. Alors, je ne sais pas si c'est ceux qui sont d'or ou pas, mais il faut faire un peu de pétard de temps en temps quand même. Et moi, je pense qu'on est pas mal. 2,3 jours de nourriture, c'est censé aller. Parce qu'en chemin, en plus, ils récupèrent un peu. Ouais, peut-être pas. On va en rajouter deux de plus. Allez, go. Ça va le faire. Là, les champignons, ils en ont poussé partout. Il était temps. On en a un peu ici. La viande, ça va vite partir. Il range. Non, il récupère. Parce que j'ai envoyé tigre. Hamster, il est en train de planter. Chacal. Chacal, j'aimerais qu'il fasse le ménage. Donc, on va envoyer le petit enfant qui est je ne sais où. Oh, il devait regarder un agriculteur travailler. Voilà. Et ce que tu peux faire aussi, c'est aller l'alimenter déjà, parce que sinon ils pètent un câble, ils sont dans le noir. Hein. Et on nettoie. Alex, il est comment? Il est remonté à 13 pourtant, c'est à surveiller, qu'on lui remette un gros médicament si besoin. Bon, il nous faut un cours sur l'électricité. Hamster a fait son truc. Vêtements, lambeaux, c'est le gamin. Donc Rain, faudrait peut-être lui dire de fabriquer des trucs là. Il en est où? Ouais, en faire les trucs d'enfant. Ouais. C'est le soir. Alors, par contre, il faut s'en occuper et leur dire de commercer. Les habits d'enfant, c'est rapide. Donc ça va, elle va pouvoir m'en faire plusieurs. Et il va s'équiper tout seul. Ça, c'est bien aussi. Quand vraiment, il s'équipe tout seul de la qualité qu'ils veulent. Des fois, il faut les forcer un peu. Mais en général, je ne me prends pas la tête. Je le laisse équiper. Il y a juste cochon. Il faudra lui mettre des armures un peu de qualité. Alors, c'était, je cherchais le nom. Des prestigieuses armures de qualité. Pour qu'il soit content. Parce que c'est ce qu'il demande depuis un moment. Vouloir dormir, il va péter un câble dans pas longtemps. On va laisser terminer ça et on va le faire dormir. Allez, ils sont à mi-chemin. Bon, c'est pas mal. On avance. Ici, ça avance pas du tout. Mais pas du tout. Je sais pas trop ce que fait Trosma depuis un moment, là. Oui, bon, elle est dresseur, mais c'est pas ce qui l'occupe le plus. Ouais, je crois que le dresseur, c'est lui qui va prendre le lait et tout. Ah, il y a de l'ambroisie, là. On fasse attention aussi là. Consommation a baissé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il se promène. Ouh, faut que je ferme là-haut. Non, ça n'a rien à voir. Meute de chasseur d'hommes. Oh non! On va tous mourir. Bon, je plaisante, mais au bout d'un moment, faut faire gaffe quand ils sont 50 quand même. Mais c'est pas le plus dangereux, j'avoue, les meutes de chasseurs d'hommes. Chacal, on va le renvoyer ici. Alors je me plaignais qu'il minait pas et là je l'embête quoi. Par contre on va avoir un problème de bois, hein. Faut vraiment qu'on s'occupe du bois. On va très rapidement... Bon ça arrive, normalement les pièges vont faire le boulot. Éventuellement, alors le pauvre gamin, vraiment on l'a sorti histoire de... Hein. Ah, ça y est, ça fait tout en même temps. On est arrivé. Les baies, on va les vendre parce qu'il ne faut pas qu'ils en mangent. On vend le cuir. Faites attention de ne pas vendre les médicaments comme j'allais faire. Ça serait bien d'en acheter. Ils en ont 50. Ils n'ont pas des médicaments un peu plus classiques que les de haute qualité, là. Allez, on va s'en acheter 8. Déjà, ça coûte des sous. La drogue. Ah, ils prennent les petites armes. Des fois, ils les prennent pas. Ah, ils prennent pas les pistolets et tout. C'est l'autre ville. On a une prestigieuse armure. Si on la prend, on n'a pas de sous.
Ah, c'est embêtant ça. Ça, c'est ce qu'il nous fallait. Un casque, voilà, 1000 le casque. Hein. Au pire, on lui met une couronne. On lui achète une couronne. Avec une robe en comme ça. Faudra faire attention après. Oui, on peut en attendant. La robe coûte 700 quand même. On va mettre une couronne. On va acheter un casque. On a les fusils à impulsion et tout, ça c'est fort. Ça c'est bien. Ça c'est super fort. Et on n'a pas assez d'argent. Faudra qu'on revienne. Ça c'est fort. Marteau de Zeus conscient, moi j'adore. Pourquoi ? Parce que bah, déjà ça tape très fort. Vu qu'il est conscient, c'est encore plus fort. Et surtout, ça fait de l'IEM. Ça veut dire quand les mécanoïdes nous attaquent, on les défonce quoi. Eh oui, il faut y penser. Qu'est-ce qu'on a de bien ici ? Non. Neuro-entraîneur, ouais, il n'y a rien de fou. Schéma technique, j'y suis pas du tout encore. Et là-haut, il n'y avait rien de spécial. Ah, il y a des bonhommes là, ils ne sont pas chers. Rejoins en tant que colon. Esclave, non. Bio. Sanguinaire. Immunité psychique. C'est un ursar. Le machin intellectuel. Imaginez Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger dans Rambo. Eh ben non, il va pas à la guerre, lui. Il est derrière un bureau et il invente des trucs. C'est exactement ça. Hein. Santé, ouais, dépendance au gojus, quoi. C'est-à-dire qu'il faudra en fabriquer. Et surtout qu'on a un sanguinaire qui va aller taper la tête aux autres et il va les défoncer. Mais ça fait un bel intellectuel. Et potentiellement, ça fait un gros combattant. Il faut que je réfléchisse. Parce qu'il faut que je puisse lui acheter de la drogue tout de suite. Il faut qu'ils en aient du goût juice. S'ils en ont pas, j'aurai pas le temps de lui en faire. Bon, il y en a. Je peux en acheter une dizaine. On essaie de le prendre. C'est énorme, quoi. Le hussard sanguinaire intellectuel. Faut pas l'énerver quand il fait des maths. Ok, moins 1000. C'est bon, on a 600. On achète quoi avec 600 ? Je ne sais pas. Pas grand chose. Plus grand chose à acheter à 600. Hein. Ça coûte tout la peau du cul. Déjà, je lui ai acheté une couronne bizarre à l'autre. Alors, bon, c'est pas grave. Hein. Je regarde s'il y a un truc qui me plaît au milieu. Des fois, on passe à côté. Tout ça, ça coûte super cher. On peut mettre un pack de gènes voix de cochon. Ils vont faire vos personnages. Vous faites un enfant, il fait cochon, quoi. au pire, je prends un peu plus de gojus. Voilà, j'en prends 15. Ça fait une belle réserve pour un bonhomme tout seul. Allez, on accepte. On va commercer là. Et au passage, on achètera un peu de nourriture si vraiment on sent que c'est la galère. Bon, les animaux, c'est fini ? Ah bon, c'est fini. J'ai vraiment fait ça pour le plaisir quoi. On va chasser ces deux là et ça va nous faire de la bouffe au passage. Nettoie un peu tout ça s'il te plaît là. Pas le moment d'avoir des maladies hein, je vous le dis moi. Là aussi. Et là aussi. Là, oh bah là aussi tiens. Rain, non ouais, tu peux le faire, t'es juste à côté. Allez parfait, ils vont bientôt arriver. En travers de la pollution là, j'avais pas vu. Pollution. C'était une zone polluée. Je sais pas trop si ça a un impact sur les personnages. On verra quand ils rentreront en ville. Au moins, on le saura comme ça. Ah, super. Nourriture, jour 1. Ouais, je pense qu'on peut rentrer les doigts dans le nez. Mais au pire, on va se prendre... Je fais n'importe quoi, là. C'est pas dans ce sens. Ouais, c'est un peu cher, ça, quand même. Bon, non, ça va aller. Allez. les médicaments. Ah, ils ont des médicaments. J'en prends 5. Est-ce qu'ils m'achètent tous les pistolets ? Ah bah oui, ils m'achètent les pistolets et tout. Alors, faut pas que je vende un truc que j'ai acheté tout à l'heure. Hein. Voilà, pas le casque de cataphracte. La couronne non plus. Ça a toutes les guenilles, ça va nous faire plein de sous. Regardez, ça monte les sous, ça. C'est cool, cool. Les sacs de couchage, encore moins. On va pas leur prendre une télévision.
Il y a un petit gilet pare-balles là, mais bon. Prendre un petit gilet pare-balles, vraiment histoire de. Le bois, on peut s'en prendre un peu peut-être. On s'en prend une centaine. Ouais, on va s'en prendre une centaine de bois, parce qu'on galère un peu en bois. Et après le reste, c'est bon. Hein. On va se garder un peu de sous quand même. Allez, nickel. On accepte. Et on rentre, et on va rentrer très vite, donc tout va bien. En 0-2, même pas besoin d'acheter de la bouffe. Bon, allez, toi va miner. Vu qu'elle tape dans du métal, c'est un peu plus long à taper. Donc... Hamster qui s'occupe de ça, les champignons, il y en a. Je pense qu'on en a assez à deux, mais bon, quand même. Hein. Acétone qui fait tranquillement, ben, s'occupe des torches, des trucs et tout. Voilà. Hein. Barboteuse. D'accord, il s'est enlevé, il s'est équipé un peu de ce qu'on lui a fabriqué. Super. Ah, le chapeau de cow-boy. On va lui faire un autre chapeau. Pauvre petit-o. Qu'est-ce qu'on lui met? Bah, peut-être qu'il aimait bien les chapeaux. On peut lui mettre un chapeau melon pour rigoler. On va les mettre à Sugeza. Sugegaza. Je ne prononce pas bien, ça se trouve. Un petit chapeau de cow-boy. Ce pauvre enfant, là. On ne peut pas faire des casques pour enfants, je crois. Je crois qu'on peut faire des casques pour enfants. On va regarder... Fabriquer un casque pour enfant, énorme. Ouais, donc on peut arrêter le casque de cowboy en fait. Hein. Pour le fun, on en fait un. Hein. Percepteur dommages royaux, non, pas grand chose. Moi, John, je continue à lui prendre du sang, donc regardez un peu ça, j'en ai 15 là. Je suis content, moi. Et la caravane est arrivée. Donc qui va s'équiper? Cochon, il faut que tu prennes la couronne. Là, faut que ça se... Voilà, il va prendre la couronne et je pense qu'il y a moyen que ça aille. Un chasseur. Ah, c'est vrai qu'on a notre nouveau bonhomme. Ah, lui, il me fait peur. Regardez les yeux qu'il a déjà. Il dort là parce qu'il a plus de quoi dormir. C'est quoi ce bruit bizarre? Ah oui, prenne-le. Ça fait des bruits des fois dans ce jeu. Je sais pas où le mettre. Si je le mets... Je sais pas où le mettre. Ça, c'est ennuyeux, ça. Des jeux creusent, je vais pas creuser hein, juste pour ça quoi. Après je peux enlever un truc. Ces deux lits auront ça, ces deux lits auront ça et le lit du milieu l'aura pas. On va le désinstaller et faire un lit en plein milieu. Non, je peux pas parce que ça gêne. Attends, tigre, t'es où? Voilà, t'as raison, fais ton truc. Mais on va faire un nouveau lit. Voilà, si tu peux me le faire tout de suite d'ailleurs, c'est super cool. Alors, par contre, on va s'occuper d'Erisen qui a besoin d'une arme. Et on va lui donner le petit pistolet mitrailleur. Et il faut s'occuper... Alors non, nourrice non. Chasseur, ouais. Artisan et... voilà, artisan recherche. Ça peut le faire. Lorsqu'il n'a plus de recherche à faire, il va faire de l'artisan... Plus de l'artisan. Lorsqu'il n'a plus d'artisanat à faire, il va faire de la recherche. J'y arrive. On peut le dupliquer pour en faire un autre. Enfin, encore une fois, je sais même pas où le mettre. Là, dans cette base, c'est l'horreur. Déplacer le truc du jeu, on peut le mettre là. Hein. Osma qui donne à manger aux prisonniers. Ça marche et tu vas nettoyer derrière, s'il te plaît. Et nettoyer. Léi, tu vas nettoyer là-dedans. Ou cochon, peut-être. J'arrive pas à les attraper, ils vont trop vite. Allez, nettoie tout ça, parce que là, faut pas qu'ils tombent malades. Après, c'est bien, vous voulez pas tomber malade. Vous prenez des hommes cochons, ils bouffent n'importe quoi, même pas besoin de cuisiner, ils bouffent mais vraiment n'importe quoi. Ils tombent jamais malades. Si vraiment, ça, c'est quelque chose qui vous énerve au bout d'un moment, quoi. On va remettre ça dans la salle, parce qu'on l'avait enlevé. Et côté faune, ce serait bien de retuer des bestioles parce que on va les champignons, c'est pas encore ça quoi. Bientôt, hein, mais c'est pas encore ça tout de suite.
Bon, j'espère qu'Erisen va pas se mettre à tuer tout le monde. Hein. Il est sanguinaire, il va taper des gens, quoi. C'est sûr qu'il va taper des gens. Bon, écoutez, on a un petit peu avancé dans cet épisode. C'est pas mal. On a eu l'enfant. On a eu Erisen. Je sais pas si l'enfant l'a eu à l'épisode précédent. J'avoue, je me rappelle plus. On a deux personnages supplémentaires. Donc là, on est monté à 9. J'ai compté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Et on a 9 bonhommes. C'est pas mal. Ah, on a des marchands. Je les ai même pas vus arriver encore. Hein. Ah non, c'est les... comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ils se barrent. Mais non, c'était les... de l'Empire, c'est l'or et esclave uniquement. Donc, on a 9 personnages. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si le petit enfant, on peut lui donner des trucs. Ah, on peut lui donner une arme. Bon, faut pas qu'il se blesse, on va lui donner juste un revolver. C'est pas mal. Je vais pas le mettre à chasser, peut-être, ainsi, pour le fun. Allez, pour le fun, il va chasser avec les grands à coups de revolver sur les animaux. Ça va être un futur tueur, quoi. Dès qu'il pleut, je pourrais peut-être chasser les vaches à essence, là. Nettoyer saleté. Désolé, je te fais faire tout le ménage. Bon, les champis, il faut que ça se dépêche là. Il faut qu'on en tue plus. Super, les écureuils et tout, quoi. On peut les tuer là, mais ça fout le feu partout, quoi. On va s'entraîner sur les cobayes et les écureuils. Alors, on va tuer plein de bestioles. On les détruire tous les lapins là. Il y a beaucoup de lapins parce qu'il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Les ours, il y avait un ours, ça paraît, ça explose. Donc, non, les rats, on va éviter. Allez, je vous dis pas le massacre, quoi. Massacre, là ils y vont, ils tuent tout, quoi. Ah, le petit revolver qui tue les écureuils, quoi. Bon, écoutez, c'est pas mal. On va s'arrêter là à cet épisode, on s'est bien amusé. Je vous dis au prochain, on va continuer quand même. Et j'espère qu'on va avancer un peu plus, qu'on va pouvoir s'installer là-dedans. Je sais pas quand, je dis à chaque fois dans un ou deux épisodes, ça sera encore dans un ou deux épisodes. C'est pas trop grave, hein, parce qu'on est quand même bien. On commence à se marcher dessus, mais on est quand même bien. Et ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire. À bientôt.